le dimanche de 20h à minuit. Toute la semaine, 22h01. Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. J'ai un stagiaire, t'as fait quoi ce week-end? J'étais en famille à Biarritz en fait pour mon anniversaire, donc j'ai pas pécho. C'est pas encore passé. Ouais, c'est le 18, non, fêté, le 16 mon anniversaire. Mais trompe-toi. Ouais, je pensais à ce week-end en fait, c'est pour donc ça. Tu t'es fait ça et c'était bien Biarritz. Ouais, j'ai fait un massage. Je l'ai jamais fait de ma vie. Ma sœur, elle m'a payé un massage pour mon anniversaire. C'est des cadeaux pour lui. Mais franchement, un massage d'une heure, c'est stylé. Hein. C'est lui qui a massé. Non, mais n'importe quoi. Non, mais c'est cool. Ouais, j'ai jamais fait en fait. Massage quoi, taille? Non, massage aux pierres chaudes. Ah, et c'est rentré la pierre. Non, mais je te jure. Pierre chaude, c'était le nom du mec. N'importe quoi. Non, c'est une trans brésilienne. Elle s'appelle Pierre Chaude à Biarritz. C'est une meuf. C'est pas Pierre Chaude. Elle était gentille en plus. Elle est connue sur toute la côte. N'importe quoi, on l'appelle le gars du Sud-Ouest. Le coup basque, on l'appelle. C'est méchant. Voilà. Et alors, c'était bien, je me suis endormi. Et t'as mis une pierre au-dessus de l'anus? Plusieurs pierres. Non, mais plusieurs pierres, oui. En plus, c'est un peu intimidant parce que t'es en string. En string? Je te jure, c'est la tête de mon père, c'est vrai. Il s'est plein de l'homme. Non mais je te jure, non mais tu sais pas comment ça se passe le massage. Sur un dolmen. Non mais sur une pierre bretonne. Des mini dolmen en plus qu'elle te met. Sur la peau. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais en fait dans la il t'a mis un string. Non mais dans la cabine pour l'hygiène en fait, il te demande d'enlever ton pantalon, ton boxer et de mettre un sort de string, tu vois, pour recouvrir ton sexe. J'ai déjà fait une fois. Oui. C'est pas vraiment un string, c'est une sorte de culotte en filtre à papier. Et c'est super gênant. Noir là. Oui. En filtre à papier. Bleu foncé. Et derrière c'est une ficelle qui rentre dans la fesse. Ah non, moi c'est pas une ficelle. Je te jure, j'étais gêné. En fait, t'as donné des trucs de nana. Non, parce que j'ai demandé en fait, c'est pas pour une fille. J'ai dit non, c'est moi, je suis un garçon. Elle a dit non, c'est pour les garçons. Du coup, t'as dû lui dire, oui, c'est moi, je suis un garçon. Non, parce que j'ai demandé, parce que j'ai vu le truc, je croyais que c'était un truc pour filles. C'est comme un string. J'ai essayé, il y avait la ficelle derrière, j'avais une glace, j'ai regardé mes fesses. J'ai fait, mais Julien, c'est pas possible, je peux pas le faire. Et du coup, j'ai demandé à la dame. Après, il s'est mis à danser sur du Rihanna. Avec Pierre Chaud, il y avait de la musique. Avec Pierre Chaud à côté. Et de la musique chelou. Trans brésilien. Il y avait de la flûte de pan en musique. La côte ouest. Oh, Pierre Chaud. Non, du coup, elle m'a dit que c'était pour garçon. Du coup, je me suis allongé et pendant après, une heure. Après, d'un coup, elle a entendu du. Et là, il y a Pierre Chaud qui est rentré dans la pièce. Pierre Chaud, le masseur. C'est marrant ça. Arrête, putain. J'aurais pas dû dire pierre chaude. Oh là là, c'est un massage. C'est fait. Voilà le massage quoi. C'est fait masser l'anus par pierre chaude. Ah, mais c'est bien, hein, franchement. Et alors, non, et c'était bien, ouais. Ouais, c'était bien, je me suis endormi et ça a duré une heure. Ouais. Ah. Ouais. Ah, tu t'es endormi? Ouais. Bah, c'est nul de s'endormir. Ouais. Non, mais j'ai kiffé, hein. Ah, mais normalement, faut. Non, mais elle m'a réveillé parce qu'il fallait se retourner en fait. Après, elle a fait le massage sur le ventre. Elle a payé une heure pour qu'il fasse une sieste. Non, mais elle m'a fait. T'es malade, c'est comme des guillis. Elle m'a fait. Mais n'importe quoi, j'étais trop bien. Mais j'étais trop bien, il faisait chier. Il faut s'endormir, mon. Mais non, mais faut se forcer à pas dormir dans un massage, tu savoures pas. Bah, si, j'ai savouré. Après, je me suis endormi, mais pas longtemps, genre 5 minutes, tu vois, pas plus. Après, j'ai dû retourner. Est-ce que t'as une érection? Alors, c'est une vraie question. Non, mais j'ai eu peur parce qu'à un moment donné, j'étais sur le dos. Faut se concentrer. Ouais, j'étais sur le dos. Faut se concentrer quand t'es un homme. J'étais sur le dos, j'avais une sur les jambes, elle remonte la serviette. Parce que j'ai bande par le derrière. Oh putain. Il bande de l'anus. Il a son anus qui gonfle. Non, mais en plus, elle avait une que le chien. Arrête. Il souhaite. Mais ça va ou quoi? N'importe quoi. En fait, elle avait les mains douces, tu vois, super. Une masseuse, tu vois. Ouais. Elle remonte sur ma jambe gauche pour commencer. J'étais sur le dos. Ouais. Et elle remonte, mais haut, hein. Et limite, elle frotte. Enfin, voilà, je te jure. Ouais, c'est ça, elle te mais c'est tendu, hein. Et j'étais concentré, tu vois. Il y avait ma soeur pas loin, donc je pensais. C'est 4 ans qu'il n'y a pas fait amour. Ah ouais, du coup. Un massage aux pierres chaudes, ça peut rendre. J'ai pensé c'est pire qu'une finition chinoise dans un salon. Ok, William? Oui. Voilà, écoute-moi. Écoute-moi bien, parce que là, il y en a marre. Déjà, quand tu vas rentrer, tu seras privé de sortie. Mais quand je dis privé de sortie, c'est-à-dire que tu n'auras même pas le droit d'aller voir ta grand-mère, tu n'auras pas le droit